Et il y avait du travail. Et ce pari, incarné par la réunion organisée par le président de la République au château de Versailles il y a quelques semaines, juste avant Davos, ce pari est en passe d'être gagné, d'être relevé. L'objectif pour nous maintenant, c'est d'élever le niveau de compétence de notre nation. Non pas du tout qu'il serait insatisfaisant. On forme souvent remarquablement bien la force de travail en France. On reconnaît partout dans le monde la qualité des ingénieurs, des techniciens, des juristes parfois, plus souvent des ingénieurs que des juristes d'ailleurs, c'est un juriste qui vous le dit. Ça existe. Mais la plus grande sécurité que nous pourrons offrir à nos concitoyens, la plus grande et la plus efficace arme qu'on pourra fourbir contre le chômage, l'essentiel de notre compétitivité à l'international, ce sera les compétences de nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle, depuis le plus jeune âge, avec la réforme du CP et du CE1, jusqu'à la réforme du bac, jusqu'à la transformation de l'entrée dans l'université, jusqu'à la réforme de l'apprentissage, nous voulons prendre le problème par tous les bouts pour faire en sorte que notre nation soit plus intelligente. Là aussi, c'est peut-être curieux de dire des choses aussi crûment. Elle l'est déjà beaucoup, mais elle peut l'être encore plus. Et il est certain que c'est comme ça que nous saurons relever la compétition internationale, relever ce défi de la compétition internationale. Enfin, dernier sujet important, nous voulons faire en sorte de préparer l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire préparer l'avenir? Ça veut dire essayer de faire en sorte d'assainir nos finances publiques. Et je ne vous cache pas que là aussi, il y a du travail. Ça veut dire consentir des dépenses publiques parce que certaines sont essentielles pour être à même de faire face aux défis de demain. Les transitions écologiques, bien entendu. L'insécurité de ce monde. Madame la ministre des Armées a présenté cette semaine une loi de programmation militaire qui traduit, qui permet un effort jamais vu en matière de dépenses publiques pour la défense et pour les armées. Chaque année, ce seront 2 milliards de plus qui seront consacrés aux dépenses militaires. Au total, jusqu'à 2023, ce sera près de 200 milliards de dépenses publiques pour la défense, pas pour le plaisir de satisfaire les demandes qui sont parfois formulées par les militaires amiral, pas du tout. Parce que notre monde exige que nous soyons prêts. Et préparer l'avenir, c'est aussi préparer sa sécurité. Dans tous les domaines régaliens, l'intérieur, la justice, la défense, nous devons accroître notre effort. Et en même temps, nous devons respecter l'équilibre de nos finances publiques et assainir nos finances publiques. Mesdames et messieurs, la France se transforme, l'Europe change, nous devons jouer tout notre rôle, nous avons un rôle à jouer, nous pouvons le jouer. Il nous appartient d'être à la hauteur des événements, à la hauteur des enjeux. Il nous appartient de croire en notre pays. Le président de la République dit parfois que la France est de retour. Il a raison. Vive la République, vive la France.